Bonjour, on est le 9 juin 2020 avec une météo qui est un petit peu houleuse. Elle paraît, je veux dire, chargée au niveau du ciel. Donc on n'a pas d'éclaircie au niveau du ciel. Le ciel est bien renfermé avec des nuages qui sont un petit peu chargés. Hein. Bon, des nuages tout blancs. Il n'y a pas de couleur noire. Bon, qui l'agressivité du ciel qui va faire en sorte qu'on aura. On aura, je veux dire, des pluies abondantes. Pour l'instant, il y a tout simplement une circulation de nuages blancs. Alors, ici, on se retrouve avec des polynômes à une indéterminée à coefficient réel. Coefficient réel. Bon, tout d'abord, ici, moi, je vais faire une vidéo qui va concerner la structure plus du polynôme. Donc, là, c'est voilà, j'ai un polynôme. Et je vais étudier sa structure de loi plus. Bon, c'est délicat, ça va être délicat un petit peu pour expliquer. Bon, c'est facile à expliquer, c'est pas ça, bon, et à comprendre, il n'y a rien de difficile. Mais sachez une chose, il faut bien distinguer deux choses, hein. Un polynôme, soit vous étudiez la loi plus, ouais. Mais si vous étudiez la loi plus, vous aurez que du plus, hein. Vous n'aurez rien d'autre. Vous n'aurez rien d'autre. Si vous étudiez la loi foi, que je ferai dans une ou d'autres vidéos, ben, vous aurez de la loi foi, vous n'aurez rien d'autre. Maintenant, si vous étudiez la loi P plus foi, vous associez bon, la loi plus et la loi foi, à ce moment-là, vous aurez droit à avoir du plus et du foi. Cependant, un polynôme, justement, il y a du plus et du foi. Le problème, il est là. Il y a du plus et du foi. Donc, si je vais étudier dans cette vidéo la loi plus, ben, je n'aurai pas accès à cette loi foi, puisque j'étudie la loi plus. Il n'y a pas de foi dans cette loi plus. Il n'y a pas de foi dans cette loi plus. Donc je ne pourrais pas parler de foi. Bon, mais par contre, si j'étudie une P plus foi, à ce moment-là, j'ai le droit de parler de plus et de foi. Il n'y a pas de problème. Alors, faisons en sorte que on a déjà étudié la loi P plus foi. Donc, supposons qu'elle est connue. Bon, elle est connue. Bon. Faisons en sorte qu'elle est connue. Bon. Alors. Je vais anticiper, je vais vous dire tout de suite que P plus est un groupe abélien, c'est un groupe commutatif. D'ailleurs, cette vidéo vous le montrera. Je ferai une seconde vidéo bah, qui va concerner P fois, mais aussi c'est un groupe abélien. C'est un groupe abélien. Alors, je peux vous dire aussi que P plus fois sera un champ. Sera un champ. Donc, avant d'être un champ, on a un anneau. Hein. Bon, pour avoir un groupe abélien, il y a cinq critères. Je vais voir cinq critères dans cette vidéo. Pour avoir un groupe abélien pour la loi foi, ben, il y a toujours ces mêmes critères. On aura cinq critères. Ce qu'il faut au total 10. Maintenant, pour être un champ, ou un corps commutatif, si vous voulez, un corps commutatif, mais j'ai trois critères parce qu'il doit être anneau. On doit avoir un lien entre la loi plus et foi qui est la distributivité. On doit avoir l'anneau unital. L'anneau doit être unital. Bon, le neutre de l'addition est l'absorbant pour la multiplication, et on doit avoir voilà, un anneau commutatif. Un anneau commutatif, ce qui fait trois critères. Anneau, anneau unital, anneau commutatif. Et quand on a ces trois critères en plus de ces 10 critères, ben on a 13 critères qui font qu'on a un champ. Là, on a un champ. Là, on a un champ. Voilà. Bon, mais anticipons. Bon, être un champ, c'est déjà être un anneau avant tout. Hein. On est anneau, puis anneau unital, puis anneau commutatif, et puis on a un champ. Bon, et si on a anneau unital, puis on a un anneau commutatif. Un anneau commutatif, c'est un corps commutatif. Voilà. Un corps commutatif, c'est un champ. C'est un anneau unital commutatif. Un champ, c'est un corps commutatif, c'est-à-dire un anneau unital commutatif. Bon, alors, parce qu'un corps, c'est un anneau unital, et si le corps est commutatif, mais on a tous les trois critères, hein, on a un champ. Bon, ceci étant dit, moi, je vais faire la vidéo qui va concerner la loi plus, mais c'est difficile de parler de plus et de fois si je n'ai que du plus. Alors, j'anticipe pour faire intervenir certaines définitions pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un polynôme à travers de la loi plus et fois, c'est-à-dire au travers d'un anneau, bon, à travers d'un champ, mais l'anneau me suffit. Pour parler de polynôme, l'anneau me suffit. Bon, alors qu'est-ce que c'est que un polynôme au travers de la notion d'un anneau qui contient la loi plus et fois? Ben,
Voyons voir. Un anneau, bien sûr, un anneau, on l'a déterminé X. Bon, tout d'abord, je viens de le dire, il faut un indéterminé. Il faut un indéterminé. Va se structurer donc avec des AK appartenant à R. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des coefficients d'un ensemble qui est les réels. On va enlever de R des coefficients qu'on va appeler des AK. A, indice K. Où K, bien sûr, est un indice. Je peux mettre AI, hein, bon, si ça vous dérange le AK. Ouais, je peux mettre l'indice I ou K, c'est comme vous voulez. Ça change rien. Hein. Que vous mettez l'indice I ou K, ça change rien. Bon, là, je mets AI. Mais à ce moment-là, le I, il appartient à quoi? À une indexation. Hein. Voilà, vous comprenez que c'est un ensemble d'indexation. I, qui est 1, 2, 3, 4, peu importe. Voilà, qui appartient à n, qui est inclus ou égal à n, qui est inclus dans n. Voilà, il est inclus dans n, il est inclus dans n. Oui, c'est fini, hein. C'est une indexation finie. Donc i est inclus dans n. I est inclus dans n, c'est une indexation finie, elle est finie cette indexation-là. C'est pas qu'on a une indexation infinie. Mais je pourrais la rendre infinie d'une certaine manière, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure comment. Comment je pourrais la rendre indexation infinie? Bon, mais là, il faudrait que je voie la structure plus. Pour l'instant, je suis dans la structure d'anneau. D'anneau. Donc là, je dis que c'est fini. Ça doit être une somme finie. Donc dans l'anneau, on a la loi plus et fois. On a la loi plus et fois dans l'anneau. Donc je vais abuser de l'écriture de plus et fois. Mais plus et fois, combien il y en aura? Ben, il y en aura un nombre fini. C'est pour ça que j'ai mis i inclus dans n. Par contre, quand je vais voir la loi plus tout à l'heure, ben, il y a de fortes chances que l'indexation soit probablement de infini. On verra bien. On verra bien tout à l'heure. Quand je ferai la structure de groupe de la loi plus. Mais si j'ai le droit d'utiliser le plus et le fois, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'ai un ensemble de réels à i, enfin un ensemble de réels pour lequel je vais extraire un élément à i de R pour former mon polynôme. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai besoin de ce qu'on appelle une indéterminée. L'indéterminée, c'est un symbole qui est soit x, y, z, t, u, v, peu importe. Bon, ben on va extraire de ces ensembles-là. Voilà, je suis parti du néant. J'ai dit que j'avais un anneau à partir du néant. L'anneau était formalisé. Voilà, l'anneau était existant. Je sais que j'ai un anneau. J'ai anticipé en disant que j'ai un anneau. Donc j'ai créé voilà, dans le néant, j'ai créé des ensembles. Voilà. Qui ont des liens entre eux, donc j'ai créé ce qu'on appelle un morphisme. Il y a un morphisme dedans. Il y a des liens entre des objets mathématiques. Donc là-dedans, il y a un morphisme. J'ai des ensembles et j'établis des liens, donc j'ai bien un morphisme. Bon, alors, comment va être le lien principal, la relation principale pour définir comment on appelle ça, le polynôme? Le lien principal, la relation principale. Bien, un polynôme, c'est tout simplement un produit. Comme je vous ai dit que je suis dans un anneau, on en a plus et fois, ben, je vais abuser de ces écritures pour l'instant, parce que je suis dans l'anneau, mais après je vais retomber dans la notion de groupe, dans la notion de loi plus. Hein. J'aurai plus de fois. Donc il faudra que je définisse les choses autrement. Mais ici, tant que j'ai la loi plus, j'ai un anneau, j'ai la loi plus et fois, ben, on peut. C'est un produit d'un coefficient, voilà, AI, avec un. L'indéterminé que j'appelle, je symbolise l'indéterminé par x ici, exposant i. Voilà. Et bien sûr que je vais sommer. Je vais sommer. Et voilà la relation. La relation du polynôme, ce sera ça. Donc je vais écrire quoi? Par exemple, a, n, ouais, je m'excuse, je prends un coefficient à n ou une constante à n appartenant à r. C'est pour ça qu'on dit que les coefficients sont réels. Bon. Attention qu'il faut bien orthographier le mot polynôme. Polynôme, c'est avec un accent circonflexe et coefficient, il n'y a pas d'accent aigu, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, une indéterminée, il n'y en a qu'une seule, avec un E.
Alors, plus, trois petits points, plus AI, x exposant i, bien sûr, ici, l'indéterminé est exposant à une certaine valeur. Voilà. X, i, plus trois petits points, plus A, 3, x exposant 3, A, 2, x exposant 2, plus A, 1, x exposant 1, plus A, x exposant 0. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit tout? Je n'en sais pas plus. Voilà. Donc ici, je dois rajouter le 0. Là, j'ai x1. Voilà. Donc, c'est une somme de produits. Et c'est bien ce que j'ai dit. Je suis dans un anneau. J'ai le droit d'utiliser là le plus et le fois. Voilà. J'ai le produit, il est là. Le produit, il est là. Le produit est ici. Enfin, juste là. Il est là. Il est là. Il est là. Bon. Donc, c'est une forme d'écriture. C'est une écriture formelle. C'est une forme d'écriture comme ça, avec un symbole qui est choisi. Qu'est-ce que j'ai choisi? Mais j'ai choisi un X. Bon, qui est mon symbole formel. Bon, j'aurais pu choisir Y. Bon, si je choisis Y, si mon indéterminé est Y, ben, la même chose. Y, N plus 3 petits points, plus A, I, Y exposant I, plus 3 petits points, plus A3. Y exposant 3, plus A2, Y exposant 2, plus A1, Y exposant 1, plus A0, Y exposant 0. Voilà, j'ai choisi mon symbole formel d'indéterminé qui était Y ici. Bon, je peux mettre Z. Bon, je peux choisir X, Y, Z. Je vais choisir Z, plus 3 petits points, plus AI, Z exposant I, plus 3 petits points, plus A3, Z et O3, plus A2, Z2, plus A1, Z1, plus A0, Z0. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'indéterminé, je l'ai choisi. C'est un symbole, point à la ligne. Hein. Bon, qu'est-ce que je choisis? J'ai choisi quoi? Bon, je sais bien que j'ai le droit. Je suis dans. J'anticipe. Je sais bien que j'ai un anneau. Dans mon morphisme, j'ai un anneau. Donc, voilà, j'ai un anneau. J'ai un anneau. Donc j'ai le droit d'utiliser le plus et le fois. Ben, abusons de. Je sais bien que j'ai R, l'ensemble R qui est présent dans mon morphisme. Donc je vais chercher des coefficients que j'appelle AI ou AK. Bon. Donc je vais chercher des AI. Je vais chercher un symbole d'indéterminé. Bon, l'indéterminé, soit X, soit Y, ou soit Z. Ici j'ai pris X, là j'ai pris Y, là j'ai pris Z. Alors, bien sûr, avec ces AI, j'établis la relation grâce à la fois, je les multiplie et je somme, puis je fais de la même façon. Hein. Donc je prends un AI quelconque, je prends l'indéterminé, bien sûr, l'indéterminé. Attention qu'ici, quand je dis AI, il y a déjà I qui appartient à un système d'indexation. Oui, j'ai déjà un lien là. Alors, ce x-là, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais l'exposer avec le i de l'indexation. Le i de l'indexation va servir pour indexer le AI, mais aussi pour faire l'exposant du x, de l'indéterminé, du symbole qui représente l'indéterminé. Voilà, donc l'indice i, il va servir. Bon, il y a combien d'ensembles ici? Moi, j'en vois trois. Hein. Voilà, je vois les AI qui appartiennent à R, donc ce sont des coefficients, des constantes appartenant au champ des réels, bon, on a bien des coefficients réels, hein, c'est bien ce qui est indiqué ici. Voilà, on a une indéterminée qui est x ici. Voilà, on a une seule indéterminée, hein. J'aurais pu en avoir plusieurs, mais ici je suis au polynôme à une indéterminée. Si j'avais plusieurs indéterminées, j'aurais x, y pour deux indéterminées, ou x, y, z pour trois indéterminés, x, y, z, t pour quatre indéterminés, etc. Là, pour un polynôme, j'aurai plusieurs indéterminés, mais ici, ce n'est pas le cas. J'ai qu'une seule indéterminée, soit x partout, soit y partout, soit z partout, mais je n'ai pas du mélange du x avec du y ici, ou du x avec du y ici, ou du x avec du y ici. On a à chaque fois une seule indéterminée. Donc, c'est le cas. Alors, cette écriture formelle, bon, basée sur la forme d'un symbole qui est le symbole x, ou y, ou z qui est l'indéterminé, ben, constitue le choix d'un coefficient ou d'une constante multipliée par un indéterminé pour laquelle on a pris un exposant et pour lequel on va sommer
on va sauver tous ces termes, qui représentent des produits d'un coefficient avec une indéterminée exposant une certaine valeur. Bien sûr, le i appartient à i, mais i appartient au naturel, hein, c'est une valeur naturelle. Ici, c'est bon, c'est i appartient, le i appartient à l'ensemble, i qui appartient au naturel. Voilà. Alors ceci, cette écriture formelle, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Quand on multiplie un coefficient avec une indéterminée exposant une certaine valeur naturelle, ben c'est ce qu'on appelle un polynôme. Bon, comment appelle-t-on ce polynôme? Je peux l'appeler, par exemple dans ce cas-ci, P, mais à ce moment-là, là, il faut inscrire qu'on a l'indéterminé X, comme ceci. Et là, c'est le polynôme P de X. Là, j'aurai le polynôme P de Y, et là, j'aurai le polynôme P de Z, P de polynôme, bien sûr, où j'aurais pu l'appeler Q de X, Q de Y, Q de Z, R de X, R de Y, R de Z, peu importe ce qu'on appelle, on veut l'appeler, ou D de X, D de Y, D de Z, vous l'appelez comme vous voulez, pour autant que vous mettez une petite lettre minuscule ici. Voilà, et ça se constitue un polynôme. Bon, on l'a déterminé X, on l'a déterminé Y, on l'a déterminé Z. Alors maintenant, on va s'occuper de l'indéterminé X et formaliser une écriture sommatoire comme il existe dans les matrices. Et on ne rencontre pas forcément que des sommes de produits dans les polynômes, puisqu'on trouve aussi des sommes de produits ou dans les matrices, hein, dans la multiplication matricielle, à IK, B, K, J, voilà, on trouve ça dans les produits matriciels. Bon, c'est pas nouveau de retrouver ça. Simplement, et c'est la différence, on n'a pas deux indices, puisque ici, si on n'a pas un espace vectoriel sur le champ, sur un champ, voilà, on n'a pas un espace vectoriel de dimension n fois p, voilà, on n'a pas n, fois, n colonne, n, n ligne, n ligne et p colonne, voilà, on n'a pas n ligne et p colonne, on n'a pas dans une structure matricielle ici, on n'a pas à multiplier des éléments en ligne et en colonne, donc c'est normal que là on a deux indices, mais là on n'a qu'un seul indice, on n'a besoin que d'un seul indice pour ici, pour le polynôme. Ici, dans les matrices, c'est normal qu'on a deux indices, donc le produit de la somme de produits n'est pas propre, je veux dire, qu'au polynôme. Voilà, ce n'est pas propre au polynôme. Déjà, le déterminant d'une matrice, c'est la somme de produits. Alors qu'ici, c'est une somme de produits. Dans les polynômes, c'est un produit de somme. C'est un produit, voilà, A1J, A1J, A2J2, etc. Voilà, c'est une somme de produits. Une somme de produits. C'est une somme de produits. Donc, l'écriture de somme de produits n'est pas nouveau. Les mathématiques possèdent, bon, bien sûr, les plus, le fois. Alors, le plus et fois. Bien sûr, avec le plus, on va chercher l'opposé, on a le moins. Avec le fois, bon, on va chercher l'inverse, on a le divisé. Donc, il existe les opérations plus, moins, fois. Si on les distingue, on a plus, moins, fois divisé. Voilà. Ici, on retrouve tout ça ici. Hein. On a du plus, du fois. Si ce n'est que c'est un ensemble de termes. Je veux dire qui en contient, puis qui peut en contenir toute une panoplie, en fait, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, ceci, on va créer son écriture sommatoire, hein, pour le polynôme ici, mais vous voyez que c'est la somme des i égale à 0, on commence en 0 jusque n appartenant bien sûr au naturel. Ensemble, le 0, n peut valoir 0, je vous le dis tout de suite. Hein. On verra par après que n peut valoir 0. Je vais vous faire tout de suite maintenant, mais je vais vous montrer encore après. Donc c'est a, i, x, i. Voilà, ça c'est un polynôme. C'est un polynôme. Alors maintenant, je vais donner un exemple de polynôme, c'est 3x carré plus 6x. Voilà, ça c'est un polynôme. Polynôme du second degré, où il manque le terme indépendant. Voilà, il n'est pas complet si vous voulez. Bon, alors ici, voyons voir ceci. Je vous ai écrit ici x exposant 1, x exposant 0 et x exposant 0. Bon, généralement, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Regardez, je vais te faire la démonstration. AQ moins Q. A exposant 0, c'est un nombre moins lui-même. Donc, il fait AQ fois A moins Q, ce qui fait AQ fois 1 sur AQ.
et AQ sur AQ, ça fait 1. Ben voilà, une démonstration est vite faite. Donc, tout nombre exposant 0, quel qu'il soit, fait 1. Tout nombre exposant 0 fait 1. En dehors de 0 exposant 0, hein, bon, j'enlève ce cas-là. Ce cas-là. Voilà, ça, c'est le cas-là, je l'enlève. Hein, bon, voilà. Bon, ici, x exposant 0, ça fait 1. Ce qui veut dire que dans x exposant 0, on a une lettre et un chiffre. C'est-à-dire qu'il y a deux, j'enlève deux écritures. Une lettre et un chiffre, ça fait deux écritures. Voilà, ce qui fait deux écritures. Bon, j'en enlève deux. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que x exposant 1, ça fait x. Donc, je peux écrire x tout court. Je peux écrire x tout court. Ce qui fait que 1, c'est un chiffre. Donc, j'enlève ceci, j'enlève ceci. Là, j'ai deux écritures enlevées. Là, j'ai une écriture en plus à enlever, ce qui fait trois écritures. Si vous avez 10 polynômes, 10 fois 3 écritures, ça fait 30 écritures en moins. Voilà, ça c'est une chose. Bon, ça simplifie le niveau d'écriture. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner un exemple de polynôme. Ouais, c'est par exemple 3x cubes, 3x carrés, plus 5. 6x, moins 7. Pi x cubes, moins 1 tiers de x carré, moins 5. Bon, 3x carré plus 5, il manque le coefficient en x. Bon, il est incomplet ici. Ici, il est incomplet. Là, il est complet, parce qu'il y a le terme en x1 et x exposant 0. Voilà. Et là, il manque il est incomplet. Bon, il y a des polynômes complets ou incomplets. Ça veut dire que les AI, ils peuvent valoir, certains AI peuvent valoir 0. Hein. Certains AI peuvent valoir 0. Certains AI peuvent valoir 0. Donc, voilà. Maintenant, le polynôme peut être écrit à l'envers. Ouais, je ne suis pas obligé de l'écrire dans ce sens-là. Je peux l'écrire de cette manière-là. A1x plus A2x2 plus A3x3 plus 3 petits points plus AIxI plus 3 petits points ANxN. Bon, ça change quoi? Rien. C'est juste que je l'ai renversé simplement. Ça, c'est toujours somme des AI, x exposant i pour i égale 0 jusque n, n appartenant au naturel. Il n'y a rien qui change. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Si ce n'est que si la forme n'a pas changé, mais c'est un renversement d'écriture. Attention que c'est un renversement d'écriture, toutes les deux sont ordonnées. Hein. Tous les deux sont ordonnés. Tous les deux sont ordonnés. Mais il y en a un qui est ordonné dans un sens, allant du degré du plus petit au plus grand. Et l'autre, ça dépend comment on voit la chose. Si on va vers la gauche, vers la droite, enfin, de gauche vers la droite, enfin, de la droite vers la gauche, je m'excuse. Si on va de la droite vers la gauche, la droite vers la gauche, la droite vers la gauche, ben, vous voyez que les exposants sont croissants. 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Les exposants, on va dans le sens des exposants croissants de la droite vers la gauche. Maintenant, dans celui-ci, on voit des exposants de la droite vers la gauche. Les exposants deviennent décroissants. Décroissants. Voilà. Maintenant, si je vais de la gauche vers la droite, les exposants ici sont décroissants. Et si je prends celui-ci, si je vais de gauche vers la droite, les exposants vont dans le sens croissant. Ça dépend si la vision des choses. Si vous allez de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ben, vous avez une certaine vue des exposants s'ils sont croissants ou décroissants. Bon, mais de toute façon, c'est deux formes identiques. Mais la structure de formalisation du polynôme,
elle est la même, si ce n'est qu'elle est d'un côté, elle est la même, c'est tout à fait la même chose, mais elle est renversée, elle est juste renversée. C'est juste ça. C'est la même chose. Parler de ce polynôme-là ou parler de ce polynôme-là, c'est deux polynômes identiques qui sont les mêmes. Voilà. Maintenant, on essaie de les arranger, de les ordonner. Bon, on essaie de les ordonner, on les met pas dans n'importe quel sens, parce qu'on risque d'y s'y perdre si on doit faire des calculs. Quand vous devez faire des calculs, vous mettez les ordonnées. Vous mettez soit dans le sens croissant de gauche vers la droite ou décroissant de droite vers la gauche. Peu importe, ça, vous choisissez votre. Il y a quatre possibilités. Enfin, il y a deux possibilités. Soit dans ce sens-là, mais la lecture, vous pouvez la faire de gauche à droite ou de droite à gauche. De gauche, de droite vers la gauche, c'est croissant. De gauche à droite, c'est décroissant. Donc, pour ceci, il y a deux lectures. Ça dépend si vous partez de la gauche ou de la droite. Il y a deux lectures pour ceci, mais il y a deux lectures pour ceci. Voilà, ce qui fait qu'il y a quatre lectures, mais il y a deux polynômes, deux possibilités d'écrire le polynôme, soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, mais dans tous les cas de figure, c'est toujours a i x exponent i égale 0 jusqu'à n. C'est voilà, une somme de produits de coefficients avec une indéterminée x qui est exposant une certaine valeur donnée. Bon, maintenant, tous les a i ne sont pas forcément remplis. On peut avoir des a i qui sont nuls. Mais pour autant que le a n soit non nul. Voilà, et le degré du polynôme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le degré du polynôme? Ben, c'est celui où le plus grand des i, le plus grand des i, est différent justement des zéros. Voilà. Ici, j'ai un polynôme de degré n parce que je suppose que a n est différent de 0. Alors là, s'il est différent de 0, ben, j'aurai un polynôme de degré n. Voilà. Que je peux indiquer Pn. P degré, en fait c'est le degré, hein. Le Pn, ce sera le degré du polynôme de P sera égal à n ici. Voilà, Pn. Bon, degré, je peux l'écrire degré de P. Degré de P. Ou je peux l'écrire P indice Pn pour le degré. Bien sûr, l'indéterminé c'est x. Voilà. Là, l'indéterminé, bien sûr, c'est degré de P de x. Voilà, et là, on a ceci. Maintenant, si le polynôme s'appelle P1 pour le distinguer de P2, pour le distinguer de P3, on a trois polynômes. Je ne suis pas obligé de l'appeler PQR, les polynômes, hein, P de x. De x, r de x. Je suis pas obligé de les appeler comme ça. Je peux l'appeler p1 de x, p2 de x par un indice. Je les nomme par un indice, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, j'aurai k de x, un degré de pk de x. Voilà, si je les distingue par p1, p2, p3, par un indice k, je les distingue. Voilà. Voilà, par exemple, si j'ai pk de x vaut, par exemple, n vaut 2. Il serait de degré 2. Voilà. Donc, alors, comment peut-on formaliser l'écriture de degré? Ben, c'est le degré le plus haut ou le AP est différent de 0. Ou le AI. AI est différent de 0. C'est le degré le plus haut. Et comment formaliser le degré le plus haut? Ben, ça devient un maximum, hein. Donc, bon, ici, ce qui peut être nul. S'il est nul, le polynôme nul, si j'ai des zéros partout, le polynôme nul. Son degré sera moins l'infini. Donc, le degré d'un polynôme, c'est l'indice du coefficient non nul d'indice le plus élevé.
Et le polynôme nul n'a pas de degré, on lui attribue moins l'infini par convention. Moins l'infini par convention. Polynôme nul, c'est moins l'infini. Polynôme nul, on a des zéros, tous les coefficients sont nuls. Alors je le verrai par après. Mais maintenant, comment formaliser que bon, le degré, ben, c'est le plus haut, c'est l'indice du coefficient non nul d'indice le plus élevé. Et comment je pourrais écrire ça? Ben, AI appartient bien sûr à R. Hein. AI appartient à R. Alors, comment prendre le plus grand? Le plus grand, ben, c'est un max. C'est bien une fonction maximum. Voilà, je prends la fonction maximum. Ou bien sûr, l'indice I appartient au naturel, donc à grand I, mais grand I appartient grand I à grand I, mais grand I est inclus dans N. C'est un index. Il fait partie de l'ensemble d'indexation I qui est inclus dans N. Voilà, c'est I, c'est un index. Hein. C'est celui-là. I appartient à I avec I qui est inclus dans N. Voilà. Ici c'est I, hein. Parce que bon, c'est l'ensemble qui. Voilà. Bon, donc on va utiliser la fonction maximum, maximale, maximum, je m'excuse, maximum. I appartient à grand I qui appartient à N. Et bien sûr, c'est le maximum des AI qui sont différents de 0. C'est plus grand des. On va dire c'est. L'indice de coefficient non nul d'indice le plus élevé. Donc l'indice le plus élevé, c'est le max. L'indice le plus élevé, c'est le max. L'indice le plus élevé, c'est le max. Donc c'est bien l'indice du coefficient non nul d'indice le plus élevé. Alors, le polynôme, on va dire, le polynôme nul n'a pas de degré, lui. Pourquoi? Vous le voyez tout de suite. Hein. Par définition, c'est le maximum des i pour lesquels ai vaut 0. Or, le polynôme nul, il fait 0xn plus 3 petits points plus 0xi plus 0 dans un anneau. Bien sûr, dans un anneau. Je vous montrerai après dans la structure de loi plus. Xi, parce qu'on ne parle pas deux fois dans la structure de loi plus. Hein. C'est dans l'anneau qu'on parle de plus et deux fois. Et là, j'ai bien des produits et des sommes. Somme de produits, c'est dans un anneau. Xi plus 3 petits points plus 0 x carré plus 0 x exposant 1 plus 0 exposant 0. Voilà. Là, un problème, il se pose un problème. Parce qu'ici, d'après la définition, c'est le maximum des indices appartenant bien sûr à l'ensemble d'indexation i qui est inclus dans n. Ou i, si vous voulez, je peux dire directement, i est inclus, appartient à n directement, hein, c'est pas un problème ça. Hein. Bon, si i appartient à i et que i est inclus dans n, mais c'est que i appartient à n. Bon, et alors les ai. C'est l'indice du coefficient non nul d'indice le plus élevé pris avec le max. Ouais, mais non nul, mais ici ils sont tous nuls. Ça pose un problème là. Ça pose un problème. Donc, il n'a pas de degré. Voilà, le polynôme nul n'a pas de degré. Le polynôme nul n'a pas de degré. Et donc, on lui attribue par convention. Moins l'infini. Son degré, c'est moins l'infini. Alors, par convention, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, plus moins l'infini, par convention, enfin, par convention, dans les calculs sur les degrés, ben, dès qu'on a moins l'infini plus moins l'infini, mais ça fait moins l'infini. Dans les degrés. Alors, toujours par convention,
quel que soit n appartenant au naturel, moins l'infini est plus petit que n, et moins l'infini plus n égale moins l'infini, par convention. Voilà. C'est une écriture conventionnelle. Voilà. Moins l'infini est plus petit que n, et moins l'infini plus n fera moins l'infini. C'est des conventions, voilà, il faut accepter ça. Conventionnellement, on a convenu comme ça. Voilà, le degré du polynôme nul est considéré comme étant. Il n'a pas de degré, on lui attribue, si vous voulez, moins l'infini. Bon, alors, revenons-en, donc le degré du polynôme. Je suis toujours dans l'anneau, hein. Faut pas perdre de vue que je suis dans l'anneau. Je suis dans l'anneau ici, hein, à plus fois. C'est pour ça que vous voyez apparaître des plus et des fois. Donc le degré le plus élevé, c'est celui-là. Bien sûr, ici, dans ce cas-ci, c'est un degré n, parce que an est différent de 0. Hein. Maintenant, est-ce que ceci, c'est un polynôme? 0x4 plus 0x3 plus 0x carré. Ah oui, c'est un polynôme, c'est le polynôme nul. C'est le polynôme nul. Mais si le polynôme nul existe et est considéré comme étant un polynôme de degré conventionnellement égal à moins l'infini, mais je vais partir remonter d'un cran en disant que ceci, 5 exposant 0, puisque ceci est possible et qu'il est défini en tant que polynôme, mais ceci c'est un polynôme. Oui, si vous définissez ceci comme étant polynôme, mais ceci c'est un polynôme, hein. C'est-à-dire que ceci, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement une constante. 5 fois x exposant 0, ça fait 1, ce qui fait 5. Donc une constante est un polynôme. Une constante est considérée comme un polynôme. Ça, il faut le savoir. Une constante étant considérée comme un polynôme. Alors, les polynômes. On a un polynôme. Ceci, 5x cube moins 4x carré, mais il est incomplet, hein, vous le voyez, il manque le x exposant 1, il manque l'x exposant donc 3, 2, 1, 0. Voilà, il est incomplet. Là, maintenant il est complet. On a mis des zéros, hein, je l'ai complété. Je l'ai complété avec ceci, mais il était incomplet à la base. Maintenant, si vous écrivez ceci, 7x carré moins 3x cube moins 2x. Bon, déjà, il est incomplet, il est désordonné. Ben, il faut l'ordonner, hein. Donc, c'est du plus haut degré au plus petit degré. Donc, dans l'ordre, soit du plus haut au plus bas, ou du plus bas au plus haut, ça dépend. De gauche vers la droite ou vers droite vers la gauche, il y a quatre possibilités. Mais deux structures formelles. Deux structures formelles, je vais les mettre toutes les deux ici, les deux structures formelles. Moins 3x cube, je vais le compléter aussi, hein, je vais le compléter. Moins 3x cube, plus 7x carré, moins 2x, plus 0. Donc 3, 2, 1, 0, voilà, et là, c'est un polynôme qui est écrit de la gauche vers la droite, du plus haut degré au plus bas degré. Donc, dans l'ordre décroissant des degrés. Alors maintenant, je peux écrire ceci. 0, moins 2x. Je l'ai ordonné, hein. Là, il est ordonné, maintenant. Là, il était désordonné, il est ordonné. Moins 2x. Plus 7x carré moins 3x cube. Voilà. Là, il est ordonné, mais dans le sens. Là, il est désordonné, celui-ci. Je l'ordonne dans le sens de gauche vers la droite, dans le sens décroissant, et là, de gauche vers la droite, dans le sens croissant. Ou, si vous voulez, inversement, il est de la droite vers la gauche, il est dans le sens croissant. Et ici, de la droite vers la gauche, il est dans le sens décroissant. Voilà, ça c'est la vue qu'on peut avoir, soit de droite vers la gauche, de gauche vers droite, droite vers gauche, ou gauche vers droite. Bref, donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle les polynômes complets, ordonnés. Voilà. Et généralement, pour faire des calculs, on les ordonne pour bien avoir parce que l'esprit aime bien une certaine organisation. Il aime bien les écritures formelles, formalisé d'une certaine forme,
bien ordonné, une fois que tout est ordonné et organisé, ben, il peut se permettre de faire des calculs d'addition, de multiplication, de division, de soustraction, peu importe, de mettre dans des tableaux et, voilà, et de faire des calculs, peu importe les calculs que c'est. Mais l'être humain, il aime bien d'organiser les choses, d'autant plus qu'il y a plusieurs termes et qu'il aime bien de voir avec quoi il va, avec quel terme va avec quel terme pour pouvoir effectuer des opérations. Voilà, alors maintenant, revenons à nos moutons. Je vais reprendre le polynôme ici, bien sûr, à n différent de 0. Mettez-vous à l'esprit qu'à n est différent de 0 ici, hein, c'est à degré n. Voilà. Alors, je vais me baser sur la forme d'écriture ici. Bon, alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un polynôme. C'est-à-dire que x est un symbole qui fait office d'indéterminé et qui est une forme qui va créer. Cette forme x va créer une formalisation, une certaine forme d'écriture qui est toujours, je veux dire, la même. Hein, c'est toujours la même, c'est un produit d'une constante avec une indéterminée exposant un certain coefficient naturel. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Polynôme à une indéterminée et qui se base sur une écriture formelle. C'est une formation, une écriture bien spécifique qui est, on va dire, un ensemble de termes qui sont plus ou moins de la même formation. C'est une somme de termes de la même formation, puisque la formation est tout simplement un coefficient qu'on multiplie avec un indéterminé qui est exposant un indice entier. Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Exposant un nombre entier. Oui, on est d'accord. Sachez que ce polynôme-là, on est dans l'anneau. Muni de la loi plus et fois. Bon, mais au départ, à quoi servent ces polynômes? Les polynômes, au départ, ces écritures formelles étaient surtout d'usage pour calculer ce qu'on appelle les équations. Les équations, mais calculer les équations. Et bien sûr, avec le temps et l'avènement des sciences, les polynômes ont vu leur grandiloquence apparaître, notamment dans ce qu'on appelle maintenant, à l'heure actuelle, les systèmes automatisés. Les systèmes automatisés et l'électronique traitent les polynômes d'office. Les polynômes dans les systèmes automatiques, systèmes automatisés, beaucoup de systèmes, et notamment en 3D, hein, aussi l'usage de la 3D, mais on utilise les polynômes en automatisation. Alors, dans les automates, on recherche les pôles, on recherche les pôles du polynôme, on peut rechercher les racines du polynôme, parce que c'est fondamental pour étudier les stabilités des systèmes. Bon, je parle d'automatisme et d'automatisation. Bon, maintenant, on peut retrouver des lissages en 3D. Je pense aux courbes de Bézier. Ben, il y a beaucoup de types de courbes où on peut effectuer des lissages, mais il existe différents types de polynômes. On utilise les polynômes à ce niveau-là. Les polynômes sont utilisés pour résoudre des équations. Bon, ben, maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, les mathématiques, oui, au départ, les mathématiques, ils utilisaient des polynômes formalisés comme ceci, mais à un moment donné, on tombait dans les fonctions polynomiales. On tombait dans les fonctions polynomiales. Donc, à un moment donné, les mathématiques ont scindé les polynômes des fonctions polynomiales, bien qu'il y avait un lien entre le polynôme et la fonction polynomiale. Donc, les mathématiques ont scindé ça. Mais, malgré tout, il y a quand même le polynôme formalisé, comme ceci, mais il y a aussi l'application polynôme. Si vous devez calculer une équation, ben vous pouvez retomber sur une application polynôme et rechercher par exemple, au niveau numérique, les solutions au niveau numérique du polynôme. Voilà, vous pouvez chercher les solutions au niveau numérique du polynôme. Donc là, à ce moment-là, il faudra faire appel à l'application polynôme. Bon, maintenant, ça veut dire que les mathématiques ont scindé la formalisation polynomiale qui est celle-ci de la fonction de l'application polynôme, qui est une fonction de R dans R qui, de point à x, va faire correspondre la fonction f de x, qui est la somme tout simplement des ai avec i égale 0, x exposant i,
n. Jusque n. Voilà. Si c'est un polynôme de degré n. Voilà. Et là, on a l'application polynôme. C'est l'application. Voilà, on a affaire à l'application polynôme. L'application. Alors, ça, c'est le polynôme formel. Polynôme formel. Et bon, les mathématiques, parfois, on retombe de l'application du polynôme formel vers l'application polynôme. Et il y a un lien entre les deux. C'est lié. Il y a un lien. Mais c'est bien deux domaines distincts, parce que les mathématiques ont distingué les polynômes des applications polynômes. C'est comme ça, c'est les mathématiques, parce qu'ils ont vu que ça avait une très grande importance, de nombreux usages, qu'à un moment donné, il a fallu distinguer pour avoir des théories concernant les applications polynômes et des théories sur les polynômes. Il fallait distinguer, je veux dire, voilà, pour pas qu'il y ait des confusions entre les deux, ben on a distingué les deux. Mais malgré que on distingue, elles sont étroitement liées. Voilà, elles sont étroitement liées l'une de l'autre. Voilà. Donc on a la fonction polynôme, et là on a le polynôme formel avec une structure formalisée, avec une indéterminée formalisée. Là, x devient une variable, hein. Devient la variable, bien sûr, x qui fait correspondre la variable y. Et y égale, voilà. Mais il y a quand même un lien, hein. On sent qu'il y a un lien. Voilà. Bon, alors, donc c'est à i. À n peuvent être, certains peuvent être nuls, mais sauf le dernier ici, hein. Lui il est non nul. Ils peuvent être ici tous nuls, il n'y a pas de problème, pour autant que celui-ci soit non nul. Maintenant, on dira que, bon, à n doit être différent de 0, ça, parce qu'il est de degré n, mais les AI peuvent être non tous nuls. Bah, il y en a qui peuvent être nuls, d'autres pas. Voilà. Bon, et dès le moment où il y a des nuls, ben, on a un polynôme incomplet, hein. Et c'est à vous à le compléter avec des zéros. Des zéros. Enfin, du moins, s'ils ne sont pas présents, les coefficients nuls ne sont pas présents. Si vous, voilà, on aura un polynôme incomplet. Et vous, vous devrez mettre le compléter en mettant les zéros à certains endroits. Donc ce polynôme, il est bien ordonné, hein, dans le sens ici de la droite vers la gauche, dans le sens croissant des exposants de l'indéterminé. Bon, mais ceci c'est dans un anneau. Voilà. Donc l'anneau me permet d'avoir des plus, ouais, pas de problème, mais me permet d'avoir des fois. Alors maintenant, je vais étudier la structure. Je vais étudier la structure des polynômes avec uniquement la loi plus. Bon, alors là, j'ai plus de fois. Je peux plus écrire ceci. Somme des AI, x exposant i avec i égale 0 jusque n, ou si vous voulez changer d'indice, il n'y a pas de problème, vous changez d'indice, hein, à k, xk, ou encore, bon, somme des bk, y, k, pour k égale 0, jusque, bon, faites ce que vous voulez, là, vous appelez l'indéterminé comme vous voulez, hein, vous l'appelez x, y, ou z, peu importe, ou t, ou u, ou v, le coefficient, bon, qui s'appelle A ou B ou C, peu importe, hein, C, C, J, Z, J, avec J égale 0 jusqu'à N, peu importe, que le coefficient s'appelle A, B ou C, on s'en fout, hein, ça ne change rien. Voilà. Que l'indice s'appelle I, J, K, on s'en fout. Là, il s'appelle I, là, il s'appelle, du moment qu'ici, on a I, 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 K, K, I, I. On doit avoir I, I et I. K, 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 J, 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 et ils doivent tous débuter en 0. Voilà. Et si le degré est n, on a n, 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 n. Si le degré est n. Voilà. Et le coefficient, c'est, bon, ici, il s'appelle A, A, la B, la C. L'indéterminé, c'est x, x, y, z. Ça change rien, hein. Ça change rien, tout ça. C'est des formes d'écriture, mais ça respecte toujours une somme de produits. Bon, et le polynôme est de degré n.
Bon, là, on a une somme de produits. Bon, j'avais le droit d'avoir le produit dans l'anneau. Dans l'anneau, je pouvais avoir. Dans l'anneau, je pouvais avoir de plus et de fois. Bon, maintenant, c'est plus mon cas. C'est plus le cas, puisque j'ai une loi plus. Ah. Ça veut dire qu'on doit définir les choses autrement, puisque j'ai plus que de plus. J'ai plus de plus et de fois. Bon. Alors, voyons voir. Ouais. Bon, on va réfléchir un petit peu. Tiens, avec quoi joue-t-on? Ben, on joue. Tout à l'heure, j'avais un ensemble. On avait quoi comme ensemble? Rappelez-vous, je vais d'ailleurs le chercher, il est encore là. Il faut savoir avec quoi, quel morphisme on va jouer. On va jouer avec quel morphisme? Avec quel ensemble et quelle relation? Bon, ici, la relation, c'était une somme de produits, oui. Et quels étaient les ensembles? Mais j'avais R, on voit, il est encore là. R, j'avais l'ensemble R, avec les AI. Donc, les AI appartiennent à R. Donc, on va prendre si les AI appartiennent à R. Bon, c'est l'ensemble qu'on avait dans le morphisme. On avait l'indice I. On avait l'indice I. Vous voyez, il est là. Ah oui, je vais le chercher. I appartient à I, qui est inclus dans N. Ça, on va regarder si peut être égal à N. On va voir. Alors, on avait quoi? L'indéterminé x exposant i. X exposant i. Avec une indéterminée, bon, on avait x. L'indéterminé, c'était x, qui appartenait à l'ensemble indéterminé, qui est une. Ici, j'ai qu'une seule indéterminée, je joue qu'avec x. Ou y, ou z, hein, peu importe, je l'appelle comme je veux, mais l'indéterminé, je l'ai appelé x. Et de cet indéterminé, ben, j'irai chercher l'indice i. Et je créais un exposant xi. Et puis, quand j'avais créé tout ça, ben, je faisais le produit. Et puis, j'en prenais un autre. Voilà, j'en prenais un autre. Voilà, puis je faisais la même chose, la même association. Puis, je sommais tout ça. Hein. Voilà, je les sommais. Mais, et l'association que je faisais, ben, je multipliais. C'était une multiplication. Mais si, je ne peux plus multiplier. Donc, voilà. Donc, ici, le A avait une interaction. Les AI avaient une interaction avec I, parce que ici, quand on dit I, ben, I appartient à I. Voilà. Et quand je dis x exposant i, il a une interaction parce que x appartient à l'ensemble, appartient à indéterminé, l'ensemble des indéterminés, que j'appelle indéterminé, c'est l'ensemble, et i appartient à i qui est inclus en galère n. Bon. On voit bien que ce fameux i, il est fort intéressant. Il est fort intéressant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que AI? Ben, j'ai fait intervenir ce qu'on appelle un indice. J'ai un indice. Ouais. Et généralement, dans les indices, quand on écrit AI, avec I appartenant à I, on crée ce qu'on appelle une famille. On a une famille A1, A2, A3, une famille indicée. On a une famille indicée. Bon. Donc, ça veut dire que j'ai une famille indicée d'éléments AI appartenant à R. J'ai une famille. J'ai une famille de R. Je crée, grâce à un indice, I appartenant à l'ensemble d'indexation qui est inclus dans N, je crée une famille. Une famille. Donc, je vais appeler FI. Donc, la famille FI, ben, bon, c'est une famille qui est inclue dans R. C'est juste une, on va dire, famille, voilà, famille. J'aurai A1, A2, jusque AN. Bon, si polynôme de degré n, ici je vais créer à partir de R, je prends des coefficients de R, qui est A1, A2, jusque AN. Voilà. Là, je crée une famille. Qui est une partie de R, hein, mais simplement c'est une partie indicée. C'est juste ça, c'est une partie de R. Bon, ok. Donc j'ai un indice.
Intéressant, c'est intéressant. Avec un i qui appartient à une famille d'indexation qui est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que je peux écrire, créer A1, A2, A3 parce que le i appartient à une indexation. Voilà, qui va jusque n. L'indexation ira jusque n. Alors, si on réfléchit bien, les familles font intervenir les familles, peut-être une suite. Peut-être une suite. Et donc justement ici, on va utiliser les suites. Alors, comment faire pour avoir mon produit? Mais j'ai pas besoin de mon produit. En termes de suite, je peux définir. J'ai pas besoin de mon produit. Parce que le i, ici l'indice de l'indéterminé qui n'apparaîtra pas ici, parce que je ne veux pas faire de produit. Hein. Je ne veux pas faire de produit. Donc le x, je vais l'éliminer. Mais le x, indirectement, je pourrais le relier grâce à l'indice ici. A1 correspondra au x1. A2 correspondra au x2. A3 correspondra à x3. Donc je n'ai pas besoin de multiplier par quoi que ce soit, puisque l'exposant de l'indéterminé sera déterminé par l'indice du coefficient. Donc je sais, on saura attribuer à quel on va dire degré de l'indéterminé correspond le coefficient. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que là maintenant, comme je ne vais pas faire intervenir l'indéterminé, je n'aurai pas de produit. Et comme je n'ai pas de produit, bon, voilà, les choses vont. J'aurai plus que de plus. Je pourrais définir la loi plus sans faire intervenir deux fois. Et n'apparaîtra pas dans on va dire la structure formelle du foie. Il n'y aura pas de foie parce que je n'ai pas de foie, je suis dans une loi plus. Donc pour définir une loi plus, ben, j'ai besoin, je ne peux pas avoir de foie parce que je serai dans une loi plus. Bon, ben ça va, il n'y a pas de problème, ben, on va le définir en tant que suite alors. On va définir en tant que suite. Alors. Donc là, je vais le définir en tant que suite. Donc AI appartient à quoi? Ben, à R. Alors, I, il appartient à I. Mais I est inclus dans N. Voilà. Alors, je peux ici directement mettre. Ben, I appartient à N à ce moment-là. Hein. Directement, je peux le faire directement. Voilà, I appartient à N. Alors. P est considéré comme ici le polynôme sera considéré comme une suite. P est une suite. P est une suite. Donc la suite P est vue comme un polynôme. C'est la suite qui sera vue comme un polynôme. La suite P sera vue comme un polynôme. Voilà, par le formalisme que je viens de vous faire maintenant, en extrayant l'indéterminé et en jouant avec les indices. Par exemple, le polynôme P1, bien sûr, on va ordonner d'une certaine. On va partir, le 1 il sera ici, enfin, le 0 sera ici, le 1 sera ici, le rang 2 sera ici, le rang 3 sera là, et ainsi de suite. Par exemple, si j'écris ceci, moins 3, 4, 5, 0, 0, 7.0, voilà, point virgule, et une suite de 0 par là. Une suite de 0. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai écrit moins 3x exposant 0 plus 4x exposant 1. Plus, mais ça c'est dans un anneau. Hein. Je reviens à l'écriture d'anneau. Là j'ai le droit de mettre deux fois. Donc ça c'est l'écriture dans ma loi vue en tant que suite. Mais là je retombe sur un anneau parce que là j'ai la multiplication. J'ai le droit d'avoir une multiplication. Je réécris sous forme de multiplication de produit de somme. 5, 4x1 plus 5x carré plus 0x cube plus 0 exposant 4. Plus 7, x5. Voilà. Alors maintenant, voyons voir.
missile, le plus grand des AN, différent, le maximum des AN non nuls pour le polynôme écrit dans sous forme de produit de somme, mais il est ici, c'est un polynôme de degré 5. Et au-delà, ben, au-delà, on a 0x6, 0x7, 0x8, voilà, et ainsi de suite. Mais ici, le plus haut degré, il est là. C'est celui où le AN, le AI, on va dire, c'est le AI qui est, en fait, c'est le maximum des AI. Enfin, c'est le maximum d'indices, donc l'indice 4, 5, c'est l'indice 5 qui est avec le AI différent de 0. C'est l'indice le plus élevé qui est 5 avec le AI différent de 0. Parce que si vous prenez l'indice 6, il vaut 0. L'indice 7, il vaudra 0 et tout le restant est nul. Donc ici, on s'est trouvé le degré. Le degré, il vaut 5. C'est l'élément numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est degré 5. Donc, et on voit bien ici, c'est le degré 5. Tous les autres au-dessus, ils sont nuls. Ils sont nuls. Bon. Donc, vous voyez qu'on peut écrire des polynômes sous forme de suite. J'ai bien une suite, hein, de valeurs. Hein. J'ai bien une suite de valeurs. Bon, je vais écrire un autre polynôme. Si j'écris ceci, 0, 0, 3 petits points, et ainsi de suite. Ben là, vous aurez compris que c'est le polynôme nul. Hein. C'est le polynôme nul. Voilà. Ça, c'est le polynôme nul. Voilà. Et le polynôme nul, généralement, c'est P0. On indique, on le nomme P0. P0, c'est le polynôme nul. Bon, quel est son degré? Il est attribué conventionnellement à moins l'infini. Voilà, c'est le degré moins l'infini, c'est comme ça. Il faut acquiescer, je veux dire, cette convention. Maintenant, si j'écris ça, ceci, moins 3, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Bien, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est un polynôme spécifique, c'est une constante. Une constante est un polynôme spécifique. C'est moins 3x, si vous voulez, dans un anneau, s'écrirait ceci. Et ça, c'est moins 3 fois 1, ce qui veut dire c'est moins 3. C'est considéré quand même, autant le polynôme nul est un polynôme, autant au-delà de ça, une constante est un polynôme spécifique. Voilà, donc ça c'est une constante est considérée comme un polynôme. Maintenant, d'après ce que je viens de dire ici, regardez bien, si je tombe dans un anneau, somme des AI X, I, mais ceci, qu'est-ce que c'est? Les AI, je viens de vous dire que, en fait, quelque part, une constante est un polynôme. Donc quand je prends une constante AI, quelque part, on a déjà un polynôme ici. Hein. On a déjà un polynôme parce qu'une constante est un polynôme. Donc ceci, c'est un polynôme. On multiplie un polynôme multiplié par l'indéterminé. Donc ça, c'est un polynôme de degré, si vous voulez. La constante, c'est un polynôme de degré 0. C'est un polynôme de degré. Donc on multiplie un polynôme de degré 0 avec, si vous voulez, une indéterminée quelconque. Voilà, d'indice quelconque. Donc le AI, quelque part, c'est une constante, oui, mais c'est une constante, c'est déjà un polynôme en soi. C'est un polynôme en soi, une constante. Voilà, bon, maintenant, si j'écris ceci, on continue notre petit bonhomme de chemin, voyons voir celui-ci, moins 2 pi, on va mettre 4, non, on va mettre 0 ici, 0, 4, 0, 3 petits points, il n'y a que des 0 par après. Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est... En fait, c'est 4x. Alors, ça va être la même chose que ceci. Ceci, je m'excuse.
Enfin, le même nom, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Si je devais les comparer. Bien, ceci, quand il n'y a qu'un seul terme, mais là on aura quatre. Si je l'écris dans un anneau, bien sûr, j'aurai que 0, 0x0 plus 4x. J'aurai 4x. C'est 0x0 plus 4x. Là, j'ai 0x0 plus 0x1 plus 7x carré. Donc j'ai 7x carré. Là, c'est 0x0, 0x1, 0x2, 0, moins 9x cube. Alors, quand il n'y a qu'un seul, un et un seul, comment on appelle ça? Terme, il n'y a qu'un seul terme. Hein. On voit qu'il n'y a qu'un seul terme à chaque fois. C'est normal parce que j'ai qu'une seule valeur. Ils sont tous nuls sauf 1. Toutes les valeurs de la suite sont nulles sauf 1. Mais dans un anneau, on n'a qu'un seul terme. Ça, et quand on n'a qu'un seul terme, c'est ce qu'on appelle un monôme. Voilà. Un monôme, il est constitué que d'un seul terme. Peu importe son degré, il n'y a qu'un seul terme. Voilà, ça, ce sont les monômes. Voilà, alors maintenant, on va voir cette loi plus. Donc, c'est un polynôme avec la loi plus. Bon, alors on va définir, oui, j'ai pas encore défini moi ce que c'était. C'est une suite. Mais la définition de suite, on la connaît, hein. Bon, il existe un certain rang, N0. Bien sûr, ce rang appartient au naturel tel que, quel que soit n plus grand que n0, an égale 0. Voilà. Ça veut dire il existe un certain rang. Au-delà de ce rang, ben, toutes les valeurs sont nulles. Il existe un certain rang. Si c'est toutes les valeurs sont nulles. Hein. Pour tout. D'ailleurs, il est marqué ici pour tout. Pour tout n au-dessus de n0, les an égale 0, c'est tous. Donc ici, par exemple, je prends celui-ci. Point virgule 0, 4, 0, 0, 0, pi, 0, et puis ils sont toutes nulles. Voilà. Alors, si je prends le premier. Le rang 0. On prend le rang 0. Parce que. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est un polynôme? Ben oui. Parce que. Pourquoi? Parce que ici, ce 0-là. Je peux trouver un rang plus grand que lui qui est différent de 0. Je peux trouver un rang plus grand que ce rang 0 qui est différent de 0. Ben voilà, je vais prendre ici le rang 0, hein, le 2. Le rang 2 est différent de 0. Voilà. Donc, je change de rang, je prends celui-ci. Je vérifie par rapport au rang 1. Je vérifie le rang 1. Et je le compare par rapport au rang 2. Ben, encore une fois, le rang 2 est non nul. Bon, donc ça va. Donc ici, j'ai trouvé dès le moment de toute façon où j'ai trouvé un rang non nul, pour le rang 0, j'ai pas besoin de comparer au rang 1 parce que le plus grand des rangs qui est non nul, c'est 2. J'ai pas besoin de comparer avec le rang 1 et le rang 2. Parce que une fois que j'ai comparé le rang 0, je détecte que le rang 2, j'ai un rang qui est. Le rang 0, il faut regarder par rapport au rang 1, puis au rang 2. Là, je me rends compte que le rang 2, il est non nul. Donc, j'ai pas besoin de comparer le 1 et le 2. Parce que, voilà, on sait bien que c'est le rang 2 qui est.
qui est le plus grand des rangs pour l'instant. Ensuite, je regarde, je compare le rang 2 au rang 3. Ben là, le rang est non nul, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais comparer le rang 3 au rang 4. Ben, le rang 4, il est non nul. Ouais, il n'y a pas de problème. Je continue. Je vais comparer le rang 4 au rang 5. Ah, là, il est nul. Il est nul. Le rang 5 est nul. Sa valeur est nulle par rapport au rang 4. Donc je vais comparer alors à ce moment-là par rapport au rang 6. Mais là, je trouve qu'il est non nul. Le rang 6 a une valeur non nulle. Bon, bah alors je redémarre à partir d'ici. Je compare par rapport au rang 7. Ah, là, il est nul. Voyons voir alors par rapport au rang 8. Il est nul. Voyons voir par rapport au rang 9. Il est non nul. Donc à ce moment-là, je vais garder le 9 par rapport au rang 10. Ah, il est nul. Par rapport au rang 11, il est nul. Enfin, le rang 10 est nul par rapport à un coefficient nul par rapport au rang 9. Le rang 11 a un coefficient nul par rapport au rang 9. Et on constate que les rangs suivants, tous les rangs suivants, par rapport au dernier rang vérifié, le 9, rang 9, mais tous les rangs suivants ont un coefficient nul par rapport au rang 9. Donc ça vérifie bien ceci. Tous les rangs suivants sont tous nuls à partir d'un rang donné. À partir de quel rang ici? Ben, c'est le rang 9. À partir du rang 9, ben, tout est nul. Il existe un n0. Bien sûr, et ça pour tout n supérieur à n0, les an sont nuls. Les an, c'est n. Le n, il vaut ici 9. Hein. Le n vaut 9. Voilà. Si je prends 10, non, le n0, voilà, le n0, c'est 9. N0, c'est 9. Alors, pour tout n au-dessus du rang 9, ben, je prends le n égale 10, ben, le an vaut 0. Et ça, c'est vrai pour tout n. Je prends n égale 11. Ben, pour 11, n vaut 0. Je prends 12, pour 13, 14, le rang 15, et je le compare par rapport au dernier rang ici, voilà, qui est celui-ci, hein, je l'ai comparé par rapport au dernier rang. Voilà. Je le compare par rapport au dernier rang. Et le n0 ici constitue quoi? Ben, il constitue, voilà, c'est le dernier rang pour lequel par après on retrouve tous les zéros. Voilà. Ceci étant dit, bon, on définit ici en termes de suite. En termes de suite. Alors maintenant, je vais parler en termes de suite. En termes de suite. Alors maintenant, je vais étudier la loi P plus. Je vais étudier la loi P plus. On va étudier la loi P plus. Ben. On va regarder si c'est un groupe abélien. On va se poser la question, est-ce que c'est un groupe abélien? Et je vous dis tout de suite que oui, c'est un groupe abélien. Les polynômes forment un groupe abélien. Pour la loi plus. Ben voyons voir. Ben, la loi plus, ça doit être une loi de composition interne et partout définie. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, si vous prenez un polynôme P1 et un polynôme P2, ben, si j'ai A1, B1, point virgule. À 2, enfin à 0, ça commence en 0, à 1, B1, en termes de suite, voilà, peu importe les coefficients, ils peuvent être nuls, hein, mais ils sont non tous nuls jusqu'à un certain rang, voilà, par après ce rang-là, bien sûr, ils sont tous nuls, avant ce rang-là, et jusqu'à ce rang, voilà, je vais vous montrer, mais il faut que je note ici, à 0, à 2, B2, voilà, A3, B3, point virgule, point virgule. Voilà, et là, allez, on va aller jusqu'à quel rang? Je sais pas. Je dis qu'à un moment donné, après un certain rang, bon, que je vais appeler AI, et là, BI, voilà. Ils sont, bon, pour l'addition,
ils sont obligés, pas obligés pour additionner. Je peux faire 3x carré plus 6x. Voilà, ça, je suis dans un anneau, hein. Je suis pas ici. Parce que j'ai le froid. Voilà, je suis pas couru ici, j'ai que la lampe plus. Hein. Là, dans un anneau, c'est pour vous expliquer que dans un anneau, si je fais ceci, je peux additionner un polynôme carré avec du cube. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je peux utiliser du carré avec du cube. Ça veut dire que ici, les rangs ne sont pas les mêmes. L'apparition, ici, je vais mettre BJ. L'apparition du zéro, là, il est en I, mais I peut être égal à J, mais I n'est pas forcément égal à J. Peut-être I et J sont pas du même ordre. Et à ce moment-là, là, je mets tous mes zéros. Voilà, et ils sont tous nuls. Voilà. Donc ici, ça veut dire que le polynôme ici, il est d'ordre, enfin, de degré i. Il est de degré i. 0, 1, 2, 3, jusque i. Son rang, attendez, son rang, il est de. Ouais, si j'appelle i, son rang, hein, i, c'est le rang, c'est une valeur du rang pour lequel, par après, ils sont tous nuls. Après, ils sont tous nuls. Et avant, ils sont non tous nuls. Voilà. Après, le rang, ben ici, ce rang-là, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le max. C'est le max des i appartenant au naturel. C'est le max des i appartenant au naturel, de telle manière à ce que le ai est différent de 0. Voilà. Là, c'est le dernier rang qui est non, le dernier rang qui est non nul. Et après ce rang-là, tout est nul. Et avant ce rang-là, ils sont non tous nuls. Il peut avoir des zéros. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est pareil. Bon, en BJ, BJ est différent de 0. Hein. Tout comme ici, AI est différent de 0. Ici, le AI, il est différent de 0. Le rang-là, c'est le rang. Donc le polynôme ici, il est de degré i. Et là, j'ai un polynôme de degré, si vous voulez, j. Alors, et ici, bon, après, ils sont tous nuls. Après un certain rang, ils sont tous nuls. Et bien sûr, le i ici, il appartient à n. Voilà. Et le j appartient à n. Donc il y a un certain rang j pour lequel tout est nul après, ici. Et avant, ils sont non tous nuls. Là, le polynôme, le degré, c'est i, l'autre, le degré, c'est j. Je peux additionner les j. Bon, maintenant, si je fais p de i plus p de j, qu'est-ce que ça donne? P1 de i plus, j'ai le droit de faire plus, hein, parce que je suis dans une loi plus. Hein. Donc je vais sommer de suite. Plus p de j. P2 de j. Ben, pour faire sommer une suite, ben, vous devez sommer les éléments de même rang. Hein. Voilà. Vous devez sommer des éléments de même rang. Donc ça va donner un polynôme, si vous voulez, P3 d'ordre le plus élevé. Donc ça va être l'ordre, ça va être le max de i virgule j. C'est le maximum entre i et j. C'est voilà le degré de 3. Ben, si vous avez x cube, du x cube avec du x carré, ben, vous obtiendrez la somme fera du x cube. Si vous avez du x5 avec du x carré, ben, la somme sera en x5. Si vous avez du x6 avec du x12, ben, vous aurez un polynôme en x12 si vous faites la somme. Donc on aura toujours le polynôme du plus haut degré fera, je veux dire, le degré de la somme. Donc c'est pour ça que je marque max de ij. C'est le maximum entre i et j. Ben, ça sera lui qui va faire en sorte qu'on aura voilà le degré. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va sommer quoi? Ben, on va sommer deux réels, hein, parce que c'est des coefficients réels pour les deux. Donc on somme deux réels, mais les réels c'est quoi? C'est un champ. Mais on somme des réels. Mais à des rangs bien définis, bien précis. Hein. On somme des réels, mais correspondant à des rangs. Ça veut dire que
Ici, si je suis au rang 0, ben, la somme de A0 plus B0 va se trouver en, si vous voulez, ceci. A0 plus B0, au rang 0. Au rang 1, ben, j'aurai A1 plus B1, point virgule, on aura, voilà, DA. AK plus BK, voilà. Et alors, s'il y en a un qui est plus grand, par exemple, si je suppose que J est plus grand, là, on aura BJ, on aura du BJ. Alors, on aura du BJ parce que le BI, il est plus petit, il sera nul au même rang que J, s'il est plus petit. Attention, ils peuvent être du même rang, hein. S'ils sont du même rang, il n'y a pas de problème. Le maximum entre I et J, ben c'est I et J en même temps. Le maximum entre 3, 3, c'est 3. Hein. Maximum s'ils sont du même rang, degré 4, ben, on aura. Quel est le maximum entre 4 et 4? Ben, c'est 4. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? Ben, vous voyez tout de suite qu'on a une application, c'est une application, c'est une loi de composition partout, interne et partout définie. Ça veut dire que comme je vais jouer pour chaque rang avec des réels, mais les réels déjà c'est un champ, donc c'est déjà en lui-même, ce sont des, comme c'est un champ, c'est un groupe. Voilà, les réels, ils forment un groupe avant d'être un champ. Avant d'être les réels avant d'être un champ, R plus fois, quand je structure en loi de composition externe, R plus fois. Mais avant d'être un champ, c'est un groupe. R plus c'est un groupe. R plus c'est un groupe. R fois est un groupe. R0 fois est un groupe abélien. R plus est un groupe abélien. R plus fois est un champ. Avant d'être un champ, c'est un corps. Avant d'être un corps, ben c'est un anneau. Avant d'être un anneau, on a deux lois. L'une est groupe abélien, l'autre groupe abélien. Voilà, donc ici, on va jouer avec des sommes. On va jouer avec des sommes de réels. Donc là, on sait bien qu'on a un groupe abélien. Pour les réels, on joue avec des réels, c'est un groupe abélien. Donc j'ai déjà, le groupe, si on joue avec des réels, c'est un groupe abélien. Mais dans le groupe abélien de R+, si je joue avec le groupe abélien de R+, ben on a une loi de composition interne partout définie. Donc fatalement, là, ça va découler de R. Ben, on a une loi de composition interne partout définie dans R. Donc fatalement, j'aurai une loi de composition interne partout définie pour la somme de deux suites pour un coefficient réel. Donc c'est bien notre composition interne et partout, notre composition interne. Donc ça veut dire que si je vais sommer ces deux-ci, ben, c'est comme j'utilise deux réels, ben, je vais tomber dans R. Je vais retomber dans R. Hein. Maintenant, quels que soient bien sûr les éléments de la suite, hein, du rang de la suite, ben, je vais sommer chaque fois des réels, ben, je vais tomber sur des réels. Maintenant, elle est partout définie, fatalement, parce que dans R plus, vous faites la somme de deux nombres, ben, c'est toujours possible. Hein. Donc si vous faites A0 plus B0, tout est possible. Dans chaque rang, tout sera possible. Donc elle est partout définie. C'est une loi de composition interne parce que vous allez faire la somme, vous allez retomber dans R. De deux réels, vous retombez dans R. Elle est partout définie parce que ce sera toujours le cas. Et donc on a bien une application. On aura une application que pour chaque somme, on aura une valeur unique. On en aura toujours une, elle sera unique. Donc on a bien une application ici. Dans la somme, on aura une application. Donc, comme on joue avec des réels, ben, fatalement, on a une loi de composition interne et partout définie. Donc, oui, pour l'instant, qu'est-ce qu'on se dit? Et on sent qu'on aura un groupe, hein, on sent, parce qu'on va jouer avec des réels, donc fatalement, comme les réels, comme on sait bien que les réels, c'est un groupe. Les réels, est un groupe, déjà. R+, c'est un groupe commutatif. R+, c'est un groupe commutatif. Donc, on pensera directement, comme on joue avec la somme de suite à coefficient réel, ben, fatalement, ben, que le polynôme plus sera un groupe commutatif, on le ressent, hein, on le ressent. J'ai déjà fait la preuve avec ici, avec la loi de composition interne et partout définie, ben, vous allez voir que la suite va apparaître dans la même logique. Donc P plus, déjà, on sait bien que c'est défini le premier critère, loi de composition interne et partout définie. Voilà. Alors maintenant, voyons voir si on a l'associativité. Ben, si je prends P1 et P2, on a A0, B0, voilà, B1, enfin A1, B1, A2, B2, trois petits points,
Voilà, trois petits points. B, I, A, I, A, I, B, J, ils ne sont pas obligés d'être du même degré. Voilà, et après, tout est nul. Tout est nul. À partir d'un certain rang, on considère que tout est nul. Voilà. Et là, c'est AI, hein. C'est AI. Je l'ai mal écrit, mais c'est AI. Voilà. Bon, y a-t-il... Bon, là, pour parler d'associativité, on va associer. Donc, ce qui veut dire que j'ai besoin d'un troisième. Voilà. Là, il est de degré I. Là, il est de degré J. Je vais associer avec un degré K. C0, C1, C2, trois petits points. C, K. 0, 0, 0, 3 petits points, et à partir d'un certain rang, ils sont tous nuls. À partir du rang K, donc le degré K, à partir d'un rang J, ils sont tous nuls. Mais c'est le rang J, et donc c'est le degré J, et à partir d'un degré ici I, ben voilà, ils sont tous nuls. Ça, c'est le degré I, c'est le rang I pour lequel ils sont par après tous nuls. Bon, l'associativité, ça consiste à dire que est-ce que P1 de I plus P2 de J plus P3 de K, bon, j'associe ces deux-ci, d'abord, je fais d'abord la somme de ces deux-ci, puis je ferai P3. Est-ce que c'est égal à, bien sûr, l'association de P2? P2 et P3, qui est degré K, degré J pour lui. Voilà, je vais associer ces deux-ci et P2I. Ah. Est-ce qu'il y a égalité entre ceux-là? Bon, là, on a une somme. Somme P1, P2. Par contre, là, on va d'abord faire la somme P2, P3, et puis on va additionner à P3, et lui, on va additionner à P1. Donc, c'est une forme de construction, hein. On se dit, bon, qu'est-ce qui va agir en premier lieu? Et là, on voit bien que la parenthèse fait office de priorité. De priorité. Qu'est-ce qui va agir en premier lieu? Ben, c'est les parenthèses qui vont faire intervenir l'ordre de priorité. On va prioriser cet ordre d'addition-là, alors que là, via les parenthèses, on va prioriser, donner une priorité à P2 et P3, alors que là, on donne priorité à P1, P2. Là, on donne priorité à P2, P3. Bien sûr, quand cette priorité est faite, bien sûr, pour avoir la comparaison, il faut que cette priorité est faite, on l'a, puis une fois qu'elle est faite, ben, à ce moment, on l'additionne au troisième polynôme qui est P1. Là, quand la priorité est faite, ben, c'est une technique comme une autre de priorité, ben on l'additionne à P3. Bon, ce sont des techniques de priorité via les règles de parenthèse et on priorise, je veux dire, d'abord l'un et puis l'autre. Et donc, cette technique Donc on va voir ça. On va regarder s'ils construisent bien sûr le même polynôme. Hein. Le but c'est de. Parce que la somme de deux polynômes, ça fait un polynôme. Mais la somme de trois polynômes fait aussi un polynôme. Donc on a un polynôme à gauche, dans le nombre de mots, gauche,
Et là, la somme de deux polynômes, c'est un polynôme, puisque c'est une loi de composition interne, hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça veut dire que quand la composition interne, bon, une fois que vous faites la somme de deux polynômes, vous avez un polynôme. C'est ça que ça veut dire, la loi de composition interne est partout définie. Et quel que soit le polynôme que vous allez prendre, vous allez sommer, vous aurez toujours un polynôme. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, j'ai une loi de composition interne et partout définie. Bon, avec, je vais additionner ces deux polynômes, j'aurai un polynôme. Plus ce polynôme, j'ai un polynôme. J'additionne ces deux polynômes, j'ai un polynôme. J'additionne par rapport à ce polynôme, j'ai un polynôme, puisque c'est une loi de composition interne. Comme elle est partout définie, j'aurai un résultat aussi bien pour le membre de gauche et aussi bien pour le membre de droite. Bon, voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de voir bon, qu'il y a égalité. Ben oui, il y a égalité parce que je vous dis que on joue avec des coefficients réels. Et comme les réels, bon, c'est déjà une loi, on va se baser sur une loi qui est déjà un. R plus, qui est un groupe commutatif, un groupe commutatif, donc un groupe abélien, dont on sent qu'on aura l'associativité. Bon, voyons voir. Je fais d'abord P1 plus P2. On va faire P1 plus P2. P1 plus P2. Donc on aura A0, I, J, B0, A1, B1. Je vais jusqu'au combien? A2, je vais directement aller à I, hein, pour aller plus vite. A, J. Et puis ils sont tous nuls après. Après ils sont tous nuls, hein. Voilà. Bon, on va faire P1 plus P2. Mais P1 plus P2, ça va me donner P1 de I plus P2 de J, mais ça va donner A0 plus B0. A1 plus B1. Etc. AI plus BJ. Et puis on a tous des zéros là. Non, je m'excuse, ils ne sont pas du même rang. Hein. Ils ne sont pas du même rang. Pas du même rang parce que le AJ il est peut-être plus loin. Je vais considérer que J est plus grand que I par exemple. Voilà, trois petits points. Le AJ là-bas. Voilà, par contre, ici j'aurai AI plus BI. Et là, bien sûr, à partir de ce rang-là, mais je n'ai plus de voilà. J'aurai BI plus 1, BI plus 2. Trois petits points jusque BJ point virgule et puis j'ai tous des zéros. Alors là on associe BI plus 1 point virgule BI plus 2 point virgule trois petits points que BJ point virgule 0. Alors bon, je vais l'additionner à P3. Bon, si j'additionne à P3, je vais le faire directement, hein. P3 c'est C0, donc j'aurai P1 plus P2 donne ceci, mais P1 plus P2 plus P3, ben, je vais additionner à ceci, j'aurai P1 plus P2 que j'ai fait d'abord J, voilà, plus P3. De K, mais ça fera A0 plus B0 plus C0. Puis j'aurai ici A1 plus B1 plus C1. Voilà. Point virgule. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire la suite, hein. Mais vous comprendrez que si je fais P3. On a décidé de faire P3 plus, bien sûr, BK, je peux le prendre plus grand que BJ. Il faut se mettre à l'esprit que BK, je peux prendre. Donc j'aurai, enfin, CK, je peux prendre dans mon esprit que CK est plus grand que BJ, pourquoi pas. Hein. Bon, il faut donner un ordre. J'ai choisi I est plus grand que K est plus grand que J, J est plus grand que I. Bon, il faut bien donner un ordre pour faire la démonstration. Bon, voilà. Voilà, pour éviter de jouer avec des max,
des max de IJK, bon, je fais une démonstration directement, dire plus ou moins valable. Hein. Alors, le CK, ben, si le CK est plus grand que 1, là j'aurai A0 plus B0 plus C0, A1 plus B1 plus C1, A2 plus B2 plus C2, A3 plus B3 plus C3, A4 plus B4 plus C4, puis arriver où I qui est le plus petit, après on a tous des zéros. À un moment donné, comme il va le zéro, j'ai plus de A. J'ai plus de A. Donc, j'aurai plus de A. Donc, j'aurai tout simplement des B et des C. J'aurai BI plus 1 plus CI plus 1. BI plus 2 plus CI plus 2. BI plus 3 plus CI plus 3. Puis, on arrivera à BJ. BJ, et puis on a tous des zéros ici. Mais par contre, si je considère le K plus grand que le J, j'aurai CJ plus 1, virgule, point virgule, CJ plus 2, jusque CK. Et après, CK, après j'ai tous des zéros après. Voilà. Donc maintenant, voyons voir si j'avais fait P2 plus P3. Mais P2 plus P3 va donner quoi? Je veux bien le faire, mais le problème, c'est que je manque beaucoup de place. Hein. Je vais bien le faire, c'est pas un problème. Alors, marqueur, j'espère qu'il va pas. Voilà. Bon. On aura ceci. Donc, A0, point. Dans le cadre de P1 plus P2. P1 plus P2. Voilà. Dans le cadre ici, je fais d'abord la priorité P1 plus P2. Et puis après, je fais plus P3. Donc, je fais directement la somme ici. Alors, j'aurai A0, le polynôme total, P1 plus P2 plus P3, PT, que j'appelle PT, vaudra A0 plus B0 plus C0, point virgule. On aura A1 plus B1 plus C1, point virgule. A2 plus C2 plus B2 plus C2, point virgule, trois petits points. Trois petits points. Alors, j'aurai quoi? J'aurai, là je suis en train de faire, bien sûr, je sais pas si on va voir, si je suis en train de faire P1 de I plus P2 de J plus P3 de K avec, bien sûr, I plus petit que J qui lui est plus petit que K. Et bien sûr, I point virgule J point virgule K appartiennent au naturel. Et je priorisais ceci. J'ai fait ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et je fais la somme totale. Hein, PT. PT, c'est ceci. Alors, voilà. Je continue les trois petits points. À un moment donné, ben, j'arrive au terme des A à J. Ouais, donc là, j'écore mon dernier qui fait AJ plus BJ plus CJ. Mais après, bon, comme le i, enfin i, je m'excuse, c'est i. C'est i, on arrive au terme des i, là le degré il est i, mais après je n'ai plus de. Après, les ai sont tous nuls. Donc le terme suivant, mais il n'y aura plus de ai. Il y aura bi plus 1 plus ci plus 1 point virgule, bi plus 2 point virgule, plus ci plus 2. Voilà. Puis, ben après, on arrive où? On arrive où? On arrive à la fin du coefficient. On arrive au terme du degré le plus élevé de BJ. J'aurai BJ plus CJ. Voilà. CJ. Parce que le degré de J, c'est. Enfin, le degré de P2, c'est J. Donc, on arrive au terme. Puis, après, les B. Après BJ, ils sont tous nuls. Donc il restera CJ plus 1, CJ plus 2, ainsi de suite, jusque CK. Et après CK, ben, à ce moment-là, on a tous des zéros. Voilà ce que donne P1 plus P2. Bon, maintenant, faisons P2 plus P3. On va faire P2 plus P3. Donc là, on va maintenant, je vais prioriser P2
et P3, P2 de J, P3 de K, que je vais additionner avec P1 de I. Voilà. Bon, P2 de J. Là, A, c'était P2 de J, c'est B. B, B0, C0, A0. B1, C1, A1, B2, C2, A2, trois petits points. Trois petits points. Là, le plus petit degré, c'est I. Donc, on arrive ici au terme de AI. Voilà. Là, on a toujours CI. Et là, j'ai toujours mon BI. Voilà. Ensuite, là, on a tous des zéros. Par contre, ici, on va avoir BI plus 1, CI plus 1, point virgule, point virgule. On va voir BI plus 2, etc., jusque BJ, CJ, CJ plus 1, CJ plus 2, jusque CK. Voilà, on va additionner ceci. Bien, si j'additionne, ben j'ai B0 plus C0. B1 plus C1. B2 plus C2. BI, CI. BI plus 1, CI plus 1. BJ plus CJ. CJ plus 1. CJ plus 2. CK. Donc on a B0 plus C0, B1 plus C1, B2 plus C2, BI, trois petits points, d'ailleurs trois petits points, BI plus CI, BI plus 1 plus CI plus 1, etc. Bon, maintenant, on va additionner avec ça, c'est fait. On suppose que tout a été fait ici. Maintenant, je vais additionner que le P1. Bon, j'aurai B0, C0, plus A0. Et comme bon, l'addition dans R elle est commutative, j'aurai A0 plus B0 plus C0. Si je remets tout dans l'ordre, parce que j'ai le droit, ce sont tous des réels. Les réels sont associatifs, je peux associer A0, B0, C0. Et les remettre dans l'ordre. Je vais associer A0, B0, C0, puisque c'est déjà des réels. Les réels, on peut les associer sans aucun problème. Donc j'aurai A0, B0, C0. Et là, on a bien A0 plus B0 plus C0. On a bien A0 plus B0 plus C0. Cette ligne-là, j'aurai bon, B1 plus C1 plus A1. Mais comme l'addition, elle est associative dans R, ben, j'aurai A1 plus B1 plus C1. Donc, j'aurai A1 plus B1 plus C1. Donc, celui-ci, je l'ai. Au rang 2, je l'ai. Au rang 3, ben, j'ai B2 plus C2 plus A2. Mais ce qui veut dire que si j'associe A2 et B2, ce sera A2 plus B2 plus C2. A2 plus B2 plus C2. Voilà, je l'ai, le rang 3, je l'ai. Voilà. Et au rang I, j'aurai BI plus CI plus AI, ce qui veut dire AI plus BI plus CI. Au rang I, j'ai AI plus BI plus CI. Au rang I plus 1, j'aurai. Voilà. Je n'ai plus de AI, de AI plus 1. AI plus 1, il est nul. Ouais, tout est nul après le rang I, parce que j'ai décidé que I était plus petit que J, plus petit que K. C'est le rang I qui était. Bon, on a degré I, donc après, tout est nul. Bon, ben, ce qui veut dire que j'aurai BI plus 1. BI plus 1 plus CI plus 1, plus 0. Ce qui fait BI plus 1 plus CI plus 1, plus 0, ce qui fait BI plus 1 plus, 0, plus CI plus 1. 0, il est neutre pour l'addition dans R, hein. Donc il n'y a aucun problème. Ensuite, j'aurai BI plus 2 plus CI plus 2 plus 0, ce qui fait BI plus 2 plus CI plus 2. J'aurai BI plus 2 plus CI plus 2,
B plus 3 plus C plus 3, et ainsi de suite jusqu'ici. Le degré le plus élevé du polynôme 2 de degré J, j'aurai BJ plus CJ. Et là, j'arrive au dernier. BJ plus CJ, et après, j'ai plus de B. J'aurai 0 plus CJ plus 1 plus 0. Donc, j'aurai, bien sûr, j'ai décidé que l'indice de I est plus petit que l'indice de J. Donc, je stoppe d'abord les i en les parcourant du plus petit au plus grand, j'arrête en i, puis je continue, je vais en j, j'ai plus de b pour j, et puis je me retrouve avec des cj plus 1, cj plus 2, jusque ck. Donc j'aurai cj plus 1, cj plus 2, jusque ck, puis après on a tout des autres. Voilà. Donc effectivement, l'addition est associative. L'addition pour les polynômes est associative. Donc, ce qui veut dire qu'ici, pour l'instant, il y a deux critères qui sont déjà remplis. J'ai bien une loi de composition interne et partout définie et j'ai l'associativité. Maintenant, on va voir si on a le neutre. Effectivement, on l'a, hein, puisque je vais prendre un polynôme quelconque. Je prends le polynôme nul, donc je prends un polynôme quelconque P de I, ben P de degré I que je vais additionner au polynôme nul, au polynôme nul. Donc ben, on va faire le calcul. Ben, P de I, ben, c'est A0, A1, point virgule, A2, point virgule, jusque AI. Et là, le P0, ben, c'est le polynôme nul. Là, on a tous des zéros après, bien sûr. Hein, 0, point virgule, 0, 0. Et là, ça continue. On va mettre trois petits points. Voilà. Bon, j'additionne. A0 plus 0, c'est A0. A1 plus 0, c'est A1. Parce que 0, il est neutre dans R. Donc, vous voyez, c'est une structure qui se base sur R. Donc, fatalement, on comprend que tout sera rempli pour avoir mon groupe commutatif. J'ai déjà deux critères. Ben, je les aurai tous. Hein, voilà. Et là, j'additionne PI plus P0. Voilà. Ce qui fait A1, A2, trois petits points. AI, point, voilà, j'aurai 0 avec tous des zéros derrière. Donc on retrouve que PI plus P0 n'a aucun effet, ça qui fait PI, P indice I. Enfin, PI. PI est égal à PI plus P0. Donc s'il n'y a aucun effet sur l'addition, donc il est bien neutre. Et le neutre, c'est. Bien sûr, P0, c'est le polynôme nul. Ah, c'est le polynôme neutre. Voilà, alors maintenant, on a le neutre. Je vais le noter ici. Donc, on a bien la composition interne. On a l'associativité. On a le neutre. Maintenant, voyons voir si on a. Puisqu'on a le neutre, bon, voyons voir si c'est symétrique. Hein. Le symétrique, on va faire P1 PI moins, on va additionner, on va faire plus P T est égal au polynôme nul P0. On va rechercher que vous se pétez. Alors, on va prendre un cas de figure. PI, on va mettre A0, A1, A2, trois petits points jusque AI. Les deux degrés I. Donc, au rang I, après, ils sont tous nuls. Bon, on va chercher le PT de telle manière à ce que le P0, on est polynôme nul.
0. Voilà. Alors, vous comprendrez que qu'est-ce qui donne 0 dans les réels? Ben, c'est l'opposé. Donc, ici, ce sera moins A0, moins A1, moins A2, trois petits points, moins AI, point virgule 0. Voilà. En d'autres termes, je peux dire que c'est moins. Et là, je retire tous les zéros. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, c'est. Qu'est-ce que c'est que le T? Ben, le T vaut exactement I. Le T, c'est le même. C'est le même. Voilà, c'est le même. Donc l'opposé sera moins PI. C'est le symétrique. Le symétrique, c'est. Voilà, ils ont même rang. C'est le même, sauf avec un moins devant. Donc, il possède, si vous voulez, asymétrique qui est l'opposé. L'opposé de PI, mais c'est moins PI. Le PT vaut moins PI. Le PT vaut moins PI. Moins PI. PI qui est l'opposé du polynôme I. Ou si vous voulez, je peux mettre, comme je ne peux pas utiliser le moins ici, je vais mettre un plus parce que je suis dans la loi plus. Mais j'indique que c'est l'opposé au travers d'un signe moins comme ceci. Voilà, là on a, c'est l'opposé de PI. L'opposé, j'additionne parce que c'est une loi plus, hein. J'additionne l'opposé de PI pour avoir P0. Là j'ai bien un symétrique qui existe. Le symétrique, c'est ce qu'on appelle l'opposé du polynôme. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai le neutre. Donc on a quatre critères, il en manque plus qu'un, et puis après on aura le groupe commutatif. Hein. On aura le groupe, enfin on aura le groupe abélien, commutatif. Mais pour ça il faut démontrer la commutativité. Donc on a le neutre, on a l'existence d'un symétrique qui est l'opposé, et maintenant voyons voir, on a bien un groupe ici pour l'instant, j'ai un groupe. Maintenant voyons voir si on a un groupe abélien ou commutatif en rajoutant la commutativité. Ben, faisons-le et ça terminera. Cette vidéo en démontrant que les polynômes P plus sera un groupe abélien. Sera un groupe. Pour l'instant, il est groupe. Hein. Pour l'instant, il est groupe parce que j'ai quatre critères. Mais on va vite basculer au groupe abélien, c'est-à-dire au groupe commutatif. Hein. Vous allez voir maintenant qu'il y a la commutativité. Commutativité, ben, vous faites P1 plus P2. Voilà, PI, J, ben, vous allez avoir. P, je peux commuter P2 plus P1, voilà J. Et bon, je ne sais même pas si ça vaut la peine de le démontrer parce que c'est évident. C'est évident parce que voilà, la technique de construction que je fasse P1 plus P2 et puis que je commence le calcul comme ceci, bien sûr en allant du gauche vers la droite. Et ici, toujours de gauche vers la droite, ben, c'est juste une inversion, ben, ça va donner les mêmes résultats d'office. Vous faites la même démo. Je peux vous faire la démonstration, elle va être un peu la même que ce que j'ai fait tout à l'heure. P1 de i, moi P1, je vais mettre P1 de i, P2 de j, A0, B0, j'estime que i est plus petit que j. Donc A1. Donc on va aller jusque AI. Puis on a tous des zéros. B0, B1, trois petits points. BI, BI plus 1, BI plus 2, BI plus 3, trois petits points. Point virgule. Et je vais aller jusque BJ. Trois petits points. Trois petits points. Point virgule BJ. Et puis après ce BJ, tout est nul. Hein. Il y a tout des zéros après. Voilà. Il y a tout des zéros après. Voilà. Trois petits points. Voilà. Alors, si vous faites ça, vous allez avoir A0 plus B0. Voilà. A1 plus B1. Point virgule.
AI plus BI, point virgule BI plus 1, point virgule BI plus 2, point virgule BI plus 3, point virgule 3 petits points BJ, point virgule, et puis tout des zéros derrière. Bon. Maintenant, ça, je viens de faire P1 plus P2, I, J, on a ceci. Maintenant, faisons P2 plus P1, on va faire P2, I plus P2, J, enfin P2, J plus P2, I, mais ce sera B0 plus A0. Mais on sait bien que dans c'est deux réels qu'on additionne, donc l'addition, elle est commutative. Dans R. Donc il y a égalité ici. A1 plus B1, ça va donner B1 plus A1. L'addition, elle est commutative dans R. Donc il y a égalité. Là, on aura BI plus AI. Ben, là, l'addition est commutative dans R, il y a égalité. BI plus 1 plus 0, ce qui fait BI plus 1. Il y a égalité d'office. Puis BI plus 2, il y a égalité. BI plus 3. Il y a égalité. Trois petits points. BJ, il y a égalité. Puis après, tout est nul. Voilà. Donc, on a bien l'égalité parfaite entre la construction de P1 plus P2 ou la construction de P2 plus P1. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le cinquième critère. Et qui dit le cinquième critère? Ben, on a bien un groupe abélien. Donc, P plus, la loi des polynômes, structure. On a un groupe commutatif abélien. Voilà. P plus est un groupe abélien ou groupe commutatif. Puisqu'en fait, il y a les cinq critères qui sont remplis. La loi de composition interne est partout définie. L'associativité, le neutre, le symétrique et la commutativité. Et donc là, j'ai dû jouer avec la loi plus uniquement parce que la fois, il n'y a pas de fois. Il n'y a pas de fois. Je ne peux pas jouer, appeler ceci à i, x, i, i égale 0 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans un champ. Or, ça, je n'ai pas de poids. Je n'ai qu'une structure de la plus. Donc, pour définir, pour parler de ceci, je suis obligé de parler de suite. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les polynômes à une indéterminée à coefficient réel. Voilà. Je vous remercie.